On pourra me dire ce que l'on veut, ce gouvernement est lamentable. On ne peut que prouver ceci avec tous les éléments qu'on a eus dans cette crise épidémique. L'emploi de certains mots, la façon de procéder, c'est pas grave, c'est une grippe, ensuite ça devient une épidémie, ensuite c'est une pandémie, une crise sanitaire. Alors effectivement, quand on en est à employer des mots qui ne correspondent pas à la chose, c'est trop facile. Ce que je veux vous dire, chers amis, aujourd'hui, c'est que ce gouvernement est en train de faire sombrer la France comme un bateau ivre. Avec Macron, Philippe et tous ces autres ministres qui sont incompétents, je ne vois pas d'autres qualificatifs pour ces gens-là, que va devenir la France ? Parce que cette crise économique qui arrive, elle était déjà en préparation. Le virus n'a fait qu'accélérer les choses. Le virus, lui, avec ce confinement complètement tordu, a permis juste de gagner du temps pour ce gouvernement et de dire après, ah ben vous voyez, on a eu une épidémie, une crise sanitaire, un mot qui n'existe pas, et comme ça, ils vont justifier toutes les mesures qu'ils vont prendre, augmentation d'impôts, taxer les retraites, peut-être même les rallonger, c'est-à-dire que pour prendre votre retraite, maintenant, il faudra peut-être attendre la Saint-Glingla. Ils vont tout faire comme ils savent faire, c'est-à-dire à l'envers. Hein. Là où il faudrait redonner du moral aux gens, redonner du tonus, avec, par exemple, moins de charges sociales, et c'est possible, et c'est facile, c'est une question de volonté. Regardez les organigrammes des ministères, c'est affolant, affolant le nombre de directeurs payés, on ne sait pas même pourquoi. Vous avez des ministères où les organigrammes sont tellement importants, tellement gros, qu'on se demande comment ils arrivent même à s'y retrouver. Tout ça, c'est nous qui le payons. Quand vous aurez compris cela, eh bien, il faut changer. Alors on me dit, oui, mais il n'y a personne contre Macron, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. C'est pas grave, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est se dire, allez, on se débarrasse de tout ça. Il n'y a pas d'autre solution. J'ai bien réfléchi dans tous les sens, je me suis dit, tiens, machin, truc, il serait pas mal. Non, non, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de truc. Débarrassons le plancher de tous ces incompétents et après, on viendra et on discutera. Hein. Première chose à faire, c'est libérer le travail, libérer l'argent, libérer les gens dans leur tête, parce que là, on est vraiment comme dans un système communiste. J'ai pas d'autre mot. D'ailleurs, tous les gens qui viennent des pays de l'Est, qui ont vécu le communisme, ils le disent. Ils le disent. Qu'est-ce que c'est que ce pays qui est devenu communiste ? Et ce pays, c'est le mien, c'est la France. Donc, ce pays, je voudrais qu'il reparle, que mes petits-enfants, mes enfants, et puis tous ceux qui viendront après, puissent y vivre bien et normalement. C'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'excuses, il n'y a rien du tout. Il faut changer, il faut aller de l'avant. C'est pour ça que j'intitule d'ailleurs mes vidéos « En avant ». Sur ce, je m'en vais parce que là encore, vous savez, je vais m'énerver.